Le QG se poursuit en musique avec le dernier album de Mylène Farmer. Le disque s'appelle Point de suture, il est sorti aujourd'hui. Et le plan de com, une nouvelle fois, est parfaitement bien réglé. Le cocktail, il est connu avec Mylène Farmer, une pincée de sexe et une parole très rare. Philippe Dufresne. Et la voilà qui se réveille pour l'une des plus grosses mises en place de l'année. 350 000 exemplaires chez les disquaires et même 250 000 téléphones portables vendus avec l'album préchargé à l'intérieur. La plus importante opération de ce type menée en France pour ce 7e album de la chanteuse. Avec Mylène, la cellule marketing est bien rodée. Dès le mois d'avril, elle annonçait son retour au Stade de France pour 2009. En quelques heures, 160 000 billets vendus et 180 000 places réservées pour sa tournée en province. Et pourtant, pas d'interview, ou presque. Le mensuel Gaîté-tu a été le seul média auquel la star a accordé un entretien. Elle s'affiche androgyne, en train de se raser, une image pourtant pas nouvelle. En 1993, Kylie Lang, chanteuse canadienne au look masculin, se faisait raser par Cindy Crawford. Le nouvel opus se veut plus proche de ses disques historiques. Elle mélange balade et musique électro, avec évidemment une bonne pincée de sous-entendus sexuels. Le précédent disque de Mylène Farmer, avant que l'ombre en 2005 avait déçu, 427 000 exemplaires seulement, elle qui dépasse généralement le million. Point de suture changera-t-il la donne? Réponse dans quelques semaines.